Bonjour messieurs, avec moi pour cette deuxième, seconde conférence où on va s'intéresser, on va faire un peu de prospective en fait, pour savoir comment on passe du BBC au BPOS avec les solutions constructives bois. Donc avec moi pour en parler, Julien Lamouly, qui est ingénieur au FCBA, il nous vient de Bordeaux ce matin, et monsieur Nicolas Desvignes, thermicien, vous travaillez dans une agence d'architecture et d'ingénierie qui s'appelle Matière d'Espace. Je vais tout de suite vous donner la parole. Vous avez décidé de faire un petit cadrage, de nous dire le BBC, le BPOS, qu'est-ce que c'est ? Et après, on ira voir si avec les solutions constructives bois, on peut passer facilement du BBC au BPOS. Alors, donc BBC et BPOS sont deux labels de performance énergétique. Le BPOS n'est pas encore un label complètement cadré. Pour l'instant, il y a un projet de référentiel. Donc c'est un label, on va dire, d'anticipation des prochaines réglementations d'ici 2020. Aujourd'hui, le label qui a pris suite au label BBC, c'est le label Effinergie Plus, qui est donc un label qui est effectif en ce moment et qu'on peut réellement mettre en place. Et le BPOS, le référentiel du BPOS, s'appuie sur ce label Effinergie Plus et rajoute, pour ce qui est de la partie bâtiment à énergie positive, la consommation en fait la compensation des consommations énergétiques par de la production d'énergie locale sur le projet. Alors nous ce qu'on a imaginé en préparant ce petit débat, en se demandant comment on allait passer du BBC au BPOS, on a évidemment pensé à l'enveloppe. Aujourd'hui on a une enveloppe BBC. Première question, est-ce qu'on arrive à faire une enveloppe BBC avec du bois sans trop que ça pose de soucis techniques? Alors, il n'y a pas trop de soucis techniques. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces labels de performance énergétique s'appuient sur l'ensemble des consommations du projet, donc autant chauffage, consommation d'eau chaude, sanitaire et annexes. Et donc, la partie chauffage, enfin la partie enveloppe, n'est que impactée par les consommations de chauffage. Donc atteindre le BPOS, c'est travailler sur l'enveloppe, mais aussi travailler sur les équipements techniques, leur choix et leur optimisation. Donc c'est vraiment un travail sur l'ensemble de tous ces domaines qui permet d'atteindre le BPOS. Donc la partie enveloppe a ces domaines où il faut faire des efforts sur l'étanchéité à l'air, sur l'isolation des parois. Voilà. Monsieur Lamouly, par rapport à cette enveloppe, oui. Est-ce que cette enveloppe va être différente? Est-ce qu'une enveloppe BPOS sera différente d'une enveloppe BBC? Alors, comme on le disait, avant de parler de BPOS, la route vers 2020, il y aura une étape au milieu qui s'appellera Effinergie Plus. Donc c'est le label, le nouveau label de performance. Donc étant donné que le BBC, depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier de cette année de la RT 2012, le label BBC n'existe plus. Le niveau du label historique BBC donc, est devenu réglementaire et on a donc une étape intermédiaire qui est le label Effinergie Plus. Et donc ce label Effinergie Plus sert de base à la référence BPOS. Donc un bâtiment Effinergie Plus avec l'ajout d'équipement pourra prétendre au label BPOS. Par rapport aux enveloppes bois, pour atteindre le niveau Effinergie Plus et BPOS, le saut technologique sera beaucoup moins important que ce qu'on a connu pour le passage RT 2005, RT 2012. On a un gain de consommation de 20% entre les consos réglementaires BBC RT 2012 et les niveaux de consommation Effinergie Plus BPOS. Et donc, ce qu'on consomme, donc c'est déjà très peu. Effinergie Plus est basé sur une consommation de 40 kWh par mètre carré par an. BPOS demande de compenser tout ou partie de ces consommations par une production à demeure d'énergie renouvelable. Ou, chose que prend en compte le futur label BPOS, consommer du bois énergie. Le bois énergie est très très bien valorisé dans le référentiel BPOS. Et donc au niveau de l'enveloppe, les exigences, donc ça sera un niveau de consommation globale à 40 kWh par mètre carré par an, plus une étanchéité à l'air renforcée à 0,4 m³/heure mètre carré contre 0,6 sur les niveaux réglementaires BBC. Alors sur l'étanchéité à l'air, par exemple, aujourd'hui les tests nous montrent qu'on y arrive facilement à 0,4 ou pas?
Ça dépend. Ça dépend. Alors, ça dépend de quoi ? C'est pas simple. Donc, 0,4, c'est le référentiel en maison individuelle. En collectif, c'est 0,8. On a beaucoup de soucis avec toutes les entreprises, pas que les entreprises bois. Donc, je parle des entreprises clos couverts sur les tanches littéraires parce que, en fait, c'est bien de faire des beaux dessins chez les architectes. Les bureaux d'études bois et autres essayent de s'y mettre. Après, sur le chantier, les équipes de mise en œuvre ne sont pas forcément habituées aux techniques d'étanchéité à l'air renforcée. Donc là-dessus, il y a un réel travail de formation à prévoir et à anticiper. Il y a encore un travail. Moi, je croyais qu'il avait été fait, ce travail de formation. Il a été fait, mais ça prend du temps, en fait. Mais en fait, aussi, le secteur de la construction bois comporte de plus en plus de nouveaux acteurs. Et donc, tous ces gens-là, quand ils rentrent sur le marché, il faut continuer à les former. Il faut continuer à les former. Ouais. Avec le BEPOS, on sera sur une isolation à l'air renforcée. Ce qui veut dire, par exemple, au plan technique, qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui qu'il faudra améliorer ? Les fenêtres. Pardon ? Les fenêtres. Les fenêtres et les coffres de volets roulants, par exemple, c'est typiquement un point sur lequel on a très peu de main dessus parce que c'est souvent le lot clos couvert qui choisit son fournisseur. S'il ne le connaît pas, s'il ne connaît pas les capacités d'étanchéité à l'air des menuiseries et des coffres, on se retrouve avec un chantier où on a beaucoup de difficultés à corriger. Donc là, c'est pas de la mise en œuvre, c'est du choix. C'est le choix du matériel. Le choix des matériaux utilisés en menuiserie extérieure. D'accord. Là, on parle même pas de la jonction. Moi, ce dont j'entends parler souvent, c'est de la jonction menuiserie ou ossature fenêtre. Là, pas du tout. On est sur le choix du produit en lui-même. Il faut certainement pas l'oublier, la jonction menuiserie grosse œuvre, ça c'est sûr. Mais la menuiserie elle-même peut aussi, si c'est mal pensé, mal réfléchi, notamment au niveau des coffres de volets roulants, poser des problèmes. Et il y a d'autres matériaux, le pare-vapeur lui-même parfois. Oui. Nous, on a des chantiers où les pare-vapeurs n'étaient pas assez, ils étaient trop fragiles. Et donc, au montage, à la mise en œuvre, il y a des trous. Qui sont déchirés, il y a des trous. Même pas déchiré tout seul, quoi. C'est que la qualité manque et en fait le choix de cette qualité demande d'avoir un certain retour d'expérience qui n'est pas forcément toujours là. Et par rapport à ce choix dans les matériaux, le pare-vapeur notamment, le DTU 31.2, construction de bâtiments ossature bois, impose des caractéristiques mécaniques minimales à respecter pour le film pare-vapeur. C'est vrai que par vapeur, on aurait tendance à penser que à sa fonction première, c'est-à-dire la perméabilité à la vapeur d'eau, et donc ne le choisir que en fonction de ses caractéristiques de résistance à la diffusion de vapeur d'eau. Mais en fait, il y a aussi tout un autre volet performance sur le produit par vapeur qui concerne la mécanique avec des exigences minimales en traction, au cisaillement, à la résistance à la déchirure au clou. Toutes ces caractéristiques qui font qu'une fois posé, il ne sera pas trop fragile pour éviter des fuites en chantier derrière. D'accord. Mais malgré tout, ça n'empêche pas à tous les partenaires du chantier de faire attention, parce que c'est un chantier toujours particulier pour des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler en construction bois. D'accord. Toujours, est-ce qu'on a besoin de davantage de coordination ? La conférence de tout à l'heure, il y avait un jeune architecte qui nous disait déjà qu'on avait besoin de coordination, de davantage de coordination. Est-ce que c'est là que ça pêche ? C'est un des maillons essentiels de la chaîne, de toutes les attentions qu'il faut avoir sur le projet du début à la fin. La coordination, c'est déjà s'assurer que tous les corps d'État ont bien conscience des enjeux et de là où il faut que chacun fasse attention. Et ça, il n'y a que le rôle du coordinateur qui peut s'assurer que chacun soit au courant, s'assurer que tout le monde soit bien compris, s'assurer qu'il y a une fluidité dans les précautions prises sur le chantier. Et donc c'est un rôle assez clé sur les chantiers. D'accord, Denis. On a besoin d'une très bonne coordination sur un chantier bois. On a besoin d'une très bonne coordination sur un chantier bâtiment performant thermiquement. Donc un chantier bois performant thermiquement, on a besoin d'une très très bonne coordination. D'accord. Il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent, qui n'ont pas forcément, comme on le disait, l'habitude de travailler avec le bois et les systèmes constructifs bois, qui présente l'avantage de pouvoir être préfabriqué, mais il faut anticiper tout ça et effectivement tout savoir bien bien en amont de ce que sera le futur bâtiment, de ce que sera son utilisation. Donc ça va jusqu'à l'emplacement des futurs éléments eau de cuisine, ça va jusqu'à la position de toutes les boîtes électriques, etc. etc. Voilà, et ça c'est valable absolument pour tous les bâtiments finalement, qu'on soit BBC, RT 2012 ou BEPOS. Mais c'est d'autant plus important en bois.
Alors, on a vu l'étanchéité à l'air, maintenant sur l'isolation. Et est-ce que les murs vont continuer à s'épaissir ou pas? Est-ce qu'on a des solutions? Est-ce qu'on n'a pas de solutions? Ça dépend du thermicien. Alors, que nous dit le thermicien par rapport au... Un thermicien. Moi, je dis ça dépend du thermicien du projet. Alors, le thermicien d'un projet, pardon. Vous êtes thermicien d'un projet. Ça dépend de ses connaissances en économie de construction, parce que lui, il peut essayer de faire le projet le moins cher qui respecte le critère BEPOS. Dans ce cas-là, il va comparer, je rajoute quelques panneaux solaires pour l'eau chaude sanitaire ou je rajoute un peu d'isolation pour réduire les consommations de chauffage. Donc ça dépend de son, soit ses connaissances, ses affinités, ça dépend de beaucoup de choses. On peut se permettre aujourd'hui, si on cherche bien, de faire un bâtiment BEPOS sans changer quasiment les caractéristiques d'isolation de l'enveloppe. Ça, c'est pas très cohérent. Mais le référentiel du label le permet. Donc je pense qu'il y a peu de thermiciens qui d'eux-mêmes essaieront de faire ce calcul-ci. Donc forcément, les épaisseurs d'isolation sur tout l'ensemble des parois va avoir une tendance à augmenter encore un petit peu, ce qui est une bonne chose pour l'enveloppe du bâtiment. D'accord. Mais c'est vrai qu'encore une fois, le saut en termes d'augmentation d'épaisseur d'isolant entre RT 2005 et RT 2012 aura été beaucoup plus important que le saut entre RT 2012 et BEPOS. Étant donné que pour atteindre le BEPOS, les derniers kilowattheures, on va les gagner avec des équipements type panneaux solaires, etc. Et pas forcément en augmentant indéfiniment les épaisseurs d'isolant. Alors on va terminer avec les équipements techniques justement. Quel type d'équipement technique? On est forcément obligé de mettre du panneau solaire photovoltaïque. On a parlé du bois tout à l'heure, énergie. Donc sur les équipements techniques, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc dans tous les cas, en BEPOS, on a l'objectif de compenser les consommations par de la production locale. Donc c'est principalement de la production photovoltaïque. Et ensuite, dans tous les cas, il faut limiter les consommations. Pour limiter ces consommations, donc on travaille sur l'enveloppe, la partie eau chaude sanitaire et autres. Et comme le disait Julien Lamouli tout à l'heure, il y a sur le BEPOS une prise en compte de l'énergie bois qui est prise en compte comme une énergie renouvelable. Donc qui n'est pas une énergie consommée à compenser par une production photovoltaïque. Qui est donc énormément valorisé, ce qui était un peu le cas dans le cadre du label BBC, ce qui n'est pas du tout le cas, enfin ce qui est moins le cas dans le cadre du label de la réglementation RT 2012. Donc on peut se permettre, quand on choisit l'énergie bois sur un projet BEPOS, on bénéficie du fait qu'on a choisi une énergie renouvelable pour ses consommations et on a moins de contraintes sur d'autres éléments du projet. Alors, voilà, pour terminer, oui, juste pour finir sur l'énergie bois, l'énergie consommée, lorsqu'elle est consommée par une production bois, compte zéro dans le bilan thermique de l'ouvrage. Donc c'est quand même un gros avantage pour le bois énergie. Une question idiote, j'ai pas besoin de chauffer la maison BEPOS. Je vais avoir trop chaud avec du bois énergie. Non. Il suffit de dimensionner correctement sa chaudière bois énergie. Non, le choix de l'énergie n'impacte pas sur le confort dans l'habitat. C'est juste le choix de l'énergie qu'on utilise pour créer la chaleur. Ok, écoutez, je vous remercie beaucoup à tous les deux. Et puis, je vous donne rendez-vous tout à l'heure, cet après-midi, en début d'après-midi, pour une nouvelle conférence. Merci beaucoup. Merci.